Et c'est pour montrer où c'est Jésus qui pral sauver non. Nous pral sauver grâce à la mort de Christ sur la croix. C'est pour montrer nous pas qu'à sauver tête non. C'est Christ qui sauve non. Et au cas où vous pensez que vous êtes l'exception à la règle, écoutez Jacques 2 verset 10. Il dit car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Jacques dit n'importe monde qui a observé toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tout. Ça veut dire nous connaissons 10 commandements, pas ça? Il dit sous ta coupable de yon. Ouais, il dit n'importe qui a observé toute neuf là mais qui pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tout. Ou coupable de tout reste neuf là. Avec d'ici ou t'as fait yon bagay qui pas bon ou coupable de tout reste neuf là. Nan 10 là. Ou t'as fait neuf, gen ou pas fait mais ou coupable de tout reste yon. Vous voyez? Péché est suffisant pour nous condamner parce qu'un péché fait de nous des pécheurs. Et les pécheurs ne peuvent pas vivre dans la présence de Dieu. La seule manière de pouvoir rentrer dans sa présence, c'est d'être parfait comme lui. C'est ça, oui. Seule façon de rentrer dans la présence, bon Dieu, c'est pour nous. T'as pas fait tant cool. Ainsi, à cause des critères de perfection de Dieu, il devient impossible à l'homme de se sauver lui-même. À cause des critères de perfection de Dieu, il devient impossible à l'homme de se sauver lui-même. Mais ça fait pas qu'à sauver tête, non, c'est à cause de la critère et à cause des critères de perfection de Dieu. Voilà pourquoi la religion est très dangereuse. La religion nous fait croire que si nous faisons assez de bien, au jour du jugement, Dieu regardera si nous avons fait plus de bien que de mal. Waouh! Et elle nous fait croire que si nous avons fait plus de bien que de mal, Dieu nous laisserait entrer dans le ciel. Que de mal, Dieu nous laisserait entrer dans le ciel. Religion fait nous croire si nous faisons plus bien, pas plus bien que mal, que bon Dieu nous entrer dans le ciel là. Mais ceci est un non-sens et un mensonge. Tout ça, c'est un mensonge. La Bible nous dit que seul péché est déjà de trop, puisque Dieu est saint. Donc, un péché te condamne. Un péché nous condamne pour l'éternité. Améliorer ton état ne t'aide pas. Il te faut une transformation totale. Il te faut une transformation totale. Une transformation parfaite de ton état. Il te faut une transformation totale, une transformation parfaite de ton état. Le problème de l'homme qui tente de se sauver lui-même devient encore plus aigu quand nous regardons ce que la Bible dit au sujet de Dieu. Dieu, la Bible nous apprend premièrement que Dieu nous aime. Prébaye que la Bible apprend, bon Dieu, maintenant. Nous avons un texte pour ça. Je te rappelle, ça dit car Dieu a tant aimé le monde. La Bible nous apprend premièrement que Dieu nous aime, qu'il est plein de compassion pour nous et qu'il ne veut pas nous punir pour notre péché. La Bible déclare ça clair que bon Dieu maintenant, il est plein de compassion pour nous et il ne pas veut punir non pour péché non. Dans 1 Jean 4 verset 8, il dit Dieu est amour. Bon Dieu c'est remet, il c'est amour. Dans Jérémie 31 verset 3, Dieu nous a aimé d'un cœur d'un amour éternel. Jean 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Waouh. Donc, Dieu aime tous les hommes, aussi méchants qu'ils soient, et ne veut pas les punir. Tendez bien, bon Dieu aime tout le monde, même le monde qui est plus criminel, tout le monde, bon Dieu aime. Le monde qui a kidnappé le monde, bon Dieu aime. C'est ça, la Bible dit, Dieu aime tous les hommes, aussi méchants qu'ils soient. Parce que ça qui fait ça, c'est parce qu'il n'a pas Christ dans lui. C'est parce qu'il n'a pas l'évangile dans lui. Parce que tout le monde qui a Christ dans lui, il a l'évangile dans lui. Pas fait ça. Il n'a pas de il n'a pas de remède là. Remède là, c'est Christ. Waouh. Remède là, c'est Christ. Et c'est Christ qui n'a pas fait ça. Qui veut tuer mon gens. Fait crime, fait mal. Depuis qu'il fait ça, il a remède là. Il n'a pas fait ça encore. Nous dit. Dans 2 Pierre 3 verset 9, il dit bon Dieu use patience envers nous. Il n'est pas avec crasse pour nous périr. Il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse. Mais la Bible nous apprend aussi que Dieu est juste
et par conséquent qu'il doit punir le péché. Prend aussi que Dieu est juste et par conséquent qu'il doit punir le péché. Attendez bien. Dieu c'est amour, Dieu est amour, en même temps il est juste. Bon Dieu pas qu'après coupable pour innocent. Bon religieux qui dit comme ça. Comment un Dieu d'amour t'a fait prendre monde pour le voir monde dans l'enfer? Un Dieu d'amour est un religieux que les témoins Jéhovah. Il dit, est-ce que un Dieu d'amour capable prendre un monde pour voir dans l'enfer? Est-ce que un Dieu d'amour capable punir un monde? Maintenant, en eau clair. Mais la Bible dit clair tout. Bon Dieu pas prend coupable pour innocent. Il est amour, en même temps il est juste. Nous songer qui ça qui passé. Après dans Genèse 2 verset 17, l'Éternel t'a dit Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quand tu as la conscience du bien et du mal, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Ève mangeait fruit, il botait bas Adam, Adam mangeait. Ça qui passé. Bon Dieu mettait l'homme dehors dans le jardin, mais pas amour ça nous elle fait. Maintenant elle te prend, il fait rad avec pied, figuier, il couvrit. Pas ça? Il met tout dehors dans le jardin. Maintenant elle prend, on rad. Il prend rad, il fait rad, il fait vêtement, il mettait sous yo, il couvrit, il cache yo. Qui c'était la justice de Dieu. Et c'est ça que fait dans Genèse 3, 15. Il fait déclaration ça. Genèse 3, verset 15. Il fait déclaration ça qui mentionnait Jésus-Christ qui parle pour venir. Il fait plan. Ça, c'est le plan de la rédemption de Dieu pour l'humanité. Parce que, attendez bien, il est un Dieu d'amour. Il n'est pas qu'à, il n'est pas capable de dire, condamner l'homme. Mais dans justice tout, li pa ka dans justice tout parce que li te dit que si on mange, il y a mouri. Et pas ta ka venir pour dire bon, Adam puisque me dit non pas manger. Non manger, non mettre retourner dans jardin. Comme ça que tu pas passer là. Justice bon Dieu t'a pral menacer. Parce que yo t'a pral dit bon Dieu gain des paroles. Non wali? S'il te dit bon l'homme, me dit non pas manger Adam. Puisque non manger, et ben nous mettre entrer encore dans jardin. Bon Dieu t'a pas gagné des paroles. Justice li menacé. Et si tout li te mette l'homme de pas faire plan de rédemption, et ben l'amour de Dieu t'a menacé. Et c'est dans Christ nous pral voir côté ni amour ni justice li pral manifester. C'est ça que fait nous dit la Bible nous apprend aussi que Dieu est juste et par conséquent qu'il doit punir le péché. Li juste, il doit punir péché. Moun kap fè crime sa yo jounen jodi a, kap tue moun en Haïti, kap kidnappe moun. Moun nan kidnappe moun la pman de $200,000 américain, $300,000, $400,000. Ou ka imagino da américain, $300,000, $400,000. Ou ka imagino jusqu'ki côté ça arrivé? Jusqu'ki côté on crime kon ça arrivé? Ou kidnap ou prend un moun, ou fèl passer misè. Ou violer, ou fèl souffrir, ou battre li. Quelque fois même, on prend comme on veut tuer. Maintenant, ça, c'est l'injustice. Alors, pour ta seulement dîme, Dieu est amour, et puis, moun, ça, on pas bien pour jeune, sentencieux au dernier jour. Moun, ça, bien pour punir. C'est ça. Laissez amour parce que li mettait, li voyait Jésus-Christ vient mourir. Pour tout moun qui croit dans lui, capable de gagner la vie éternelle. Mais sous pas quoi dans lui, continue à faire crime, continue à faire mal, à la fin, c'est jugement bon Dieu, cap. Tombe sous parce que Dieu n'est pas seulement amour, il est juste aussi. On dit, c'est peut-être le point que les gens peinent le plus à comprendre aujourd'hui. Dieu est juste et donc il doit plus à comprendre aujourd'hui. Dieu est juste et donc il doit punir les péchés. Il est juste, donc il doit punir les péchés. Dans Exode 34, verset 7, nous lisons ça. Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Vous entendez bien? Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il conserve l'amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité. M'a pris le texte encore. Exode 34, verset 7. Bon Dieu conserve l'amour jusqu'à 1000 générations. Li pardonne iniquité, li pardonne rébellion, li pardonne le péché, wa devè péché te faire. Wa devè crime kote faire, le sang de Jésus suffit pour laver, pour propter.
Et ça fait Jésus-Christ dit dans Matthieu 28 verset 11, dans Matthieu, ou même péché apaisé loup sous dos, ou même qui te confond pas quelque crime, tout le monde fait ça, kidnapper monde, battre. Christ après le ou, il dit vini parce que le sang de Jésus suffit pour laver ou. Le sang de Jésus lui suffit pour nettoyer ou pour propre ou. Parce que c'est remettre l'eau ou pas gagner qui fait ou pas faire crime là. Dit pour gagner Christ ou pas faire crime encore. Ou préparer pour le ciel. Il dit non, texte là, Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il est pas dans l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il pas prend coupable pour innocent et il punit l'iniquité. Donc cela veut dire que lorsqu'un homme est coupable, Dieu ne va pas simplement ignorer sa culpabilité. Bon Dieu pas seulement ignorer culpabilité là. Il ne va pas faire semblant et dire qu'il est innocent. L'homme ne coupe coupable, bon Dieu pas le dire et puis il va faire semblant pour dire innocent. Non. Pas du tout. Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité. Dans Hébreux 10 verset 31. Petit verset ça, il fait frissonner. Auteur a dit, c'est une chose terrible. Hébreux 10 verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est yon bagay terrible pour tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Oui, il est un Dieu d'amour. Mais il est aussi un Dieu de justice. Il n'est pas seulement un Dieu d'amour. Mais il est aussi un Dieu de justice. Alors, comment comprendre la justice de Dieu? Béni soit l'Éternel. Comment comprendre la justice de Dieu? Vol des banques. Imaginons qu'un d'entre nous et moi décidions de cambrioler une banque. Armé jusqu'aux dents. Nous rentrons dans la banque, nous la cambriolons sans tirer un coup de feu et nous nous échappons. Petit problème, des caméras nous ont filmés et nous sommes arrêtés quelques minutes plus tard. On se retrouve au tribunal devant le juge qui nous demande « Que plaidez-vous ?» Nous répondons coupable. Les juges consultent le code pénal et prononcent le jugement. Vol armé. 10 ans de prison. Et top avec son petit marteau. Je lève aussi la main et je dis au juge. Monsieur le juge, il est vrai que nous avons cambriolé une banque à main armée. Oui. Il est vrai que nous méritons 10 ans de prison. Nous avons cambriolé une banque à main armée. Nous sommes coupables. Il est vrai que nous méritons 10 ans de prison. Mais, monsieur le juge, écoutez. Nous sommes en fait des gens très sympathiques. Nous faisons partie de l'Église évangélique internationale. Donc, je ne suis pas ailleurs l'enseignant de la Bible. Jamais auparavant, nous n'avons cambriolé des banques. Nous n'avons tiré aucune balle, ni fait de mal à personne. Et tout l'argent volé a été retrouvé. Nous voulons, promettons, monsieur le juge,
nous ne recommencerons jamais. Nous ne recommencerons jamais. S'il vous plaît, annulez notre peine et laissez-nous partir. Que pensez-vous? Qui ça ne pensait? Les juges devraient-ils nous laisser partir ou non? La réponse est évidente. Non. Pourquoi pas? Parce que c'est une décision de justice. Parce que tout simplement, c'est une décision de justice. Imaginez, maintenant qu'on y a les Nabgadé en Haïti, nous avons dit catégoriquement, via avec tout ce Nabgadé, tout ce Nabgadé, soit à travers l'Internet, ou bien ce Nabgadé différents côtés, nous, ouais, nous avons dit ça catégoriquement. Pas de justice. Moun tue moun jan ouvle. Moun kidnappe moun jan ouvle. Pas de justice. Et c'est plus gros bagay. Le yon pays, kote ki juste pas de justice. Moun fait ça ouvle. Bandi fait ça ouvle. Tout moun a opéré jan ouvle. Et tout dirigeant ou klampe pran jap kade gade. Nous dit. Le juge devrait-il nous laisser partir ou non? La réponse est évidente, non. Pourquoi pas? Parce que c'est une décision de justice. Imaginez une justice qui laisserait partir ceux qui font seulement des tentatives de cambriolage. Personne ne placerait plus son argent dans les banques. Donc, imaginons. Imaginons une justice qui t'a quitté moun sa, qui t'a fait tentative pour voler les banques là. Qui t'a fait tentative pour voler les banques là. Eh bien, grâce moun. Pas t'a mettre l'argent dans la banque sa yo. Oui. Si yo quitte moun sa yo aller, yo quitte au parti, grâce moun pas quoi bien dans la banque sa. Vous voyez? La justice humaine nous montre très bien qu'une infraction à la loi doit avoir des conséquences. La justice humaine nous montre très bien qu'une infraction à la loi doit avoir des conséquences. Le problème qui est posé, c'est que les m'a vérifié même à travers pays Haïti. M'a regardé qu'on s'est des crimes, on s'est des bagarres qui fait. Il a seulement passé pied sous ça, il a seulement passé sous ça. Mais si chaque monde qui fait ça ouvre, pas de monde qui dit rien. Et mais tout le monde a continué à faire ça pas bon, continué à faire ça tuer monde faire crime parce que yo wè les monde tuer monde pas grand monde autant de doute tel monde a le bouler tel marché bouler. Normal. Pas de principe. Pas de justice. Eh bien, si cela est évident pour la justice humaine, il faut se rappeler que Dieu est infiniment plus juste que les hommes. Il faut se rappeler que Dieu est infiniment plus juste que les hommes et les lois humaines. Ainsi donc, Dieu doit obligatoirement punir celui qui viole sa loi parfaite. Quelle est la punition de Dieu pour la violation de sa loi? Quel est le jugement de Dieu pour le péché? Question ça. Qui jugement mon Dieu pour péché pour les gens qui peuvent accepter Christ? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Le verset le plus connu de la Bible nous le dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Afin que quiconque croit en lui, n'importe monde qui croit en lui, n'importe monde qui mettait confiance en lui, n'importe monde, blanc, riche, pauvre, tout cas était monde, pas péri. Mais qu'il est la vie éternelle. N'importe monde qui accepte Jésus. Même criminel, monde qui a fait crime, monde qui a tué monde, kidnappé monde. Depuis accepter Christ comme sauveur personnel, la Bible dit, yo pas péri. Mais il a la vie éternelle. L'homme pécheur est condamné à périr. Tout monde qui pas accepter Christ comme sauveur personnel ou gain pour passer vie dans l'enfer éternel. Tout monde qui pas voulait convertir, tout monde qui pas voulait accepter Christ comme sauveur personnel ou qui peut passer vie dans l'enfer éternel. L'homme pécheur est condamné à périr. Il dit ça oui, ne périsse point. Qu'est-ce que ça veut dire périr? Nous dit la mort physique mais aussi la mort spirituelle. Dans Matthieu 10 verset 30, verset 28. Jésus dit comme ça, ne craignez pas
ceux qui tuent le corps et ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans Matthieu 10 verset 28, Jésus dit pas pe moun ki ka pa pe sa ka tuer corps parce que nous connaît l'homme gon corps physique et corps physique ça gain pour passer par la mort. Jésus dit pas pe sa moun ki ka tuer corps, pa pe sa ka tuer corps et qui pa ka tuer l'âme parce que nous connaît l'âme et l'esprit de l'homme yo immortel. Nous besoin apprendre ça. Nous dit l'homme sont être trichotomique, il gain l'esprit, l'âme et le corps. Nous dit l'esprit avec l'âme yo éternel. Il peut pas mourir. C'est seulement corps qui a bien pour passer par la mort, le corps physique. Mais l'esprit avec l'âme de l'homme, il est immortel. Jésus dit pingan pe si là qui capable tuer corps mais pas tuer l'âme là. Mais c'est pour une paix de préférence si là qui capable faire périr l'âme là à tout corps dans la géhenne. Qu'est-ce que le corps dans la géhenne? Qu'est-ce que la géhenne? La géhenne, c'est l'endroit des peines éternelles. C'est là tout le monde qui a fait rébellion. Tout le monde qui peut accepter Christ comme sauveur personnel, c'est là où il va passer éternité. C'est l'endroit des peines éternelles. L'endroit du châtiment éternel, loin de la présence de Dieu. C'est là tout le monde qui a fait rébellion. Tout le monde qui peut accepter Christ comme sauveur personnel, c'est là où il va passer éternité. Et c'est ça, la Bible, l'éternité malheureuse. Où il va souffrir pour l'éternité. C'est pas souffrir pour une année, pour deux années, pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 ans, pour 60 ans, pour 200 ans, pour 300 ans. Non? Ou pral souffrir là pour l'éternité. Pas de chambre saute là dedans encore. Dans Matthieu 23, au verset 33, Jésus dira de nouveau: serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne et de la gloire de sa force? Tout le monde qui parle accepte Christ. Qui pas vle converti parce que raison si ou ap di on moun 6 semaines fait mal li pa jam 6 semaines fait parce que ça qui pou faire 6 semaines fait mal là pas dans li c'est l'évangile qui pou faire moun pas faire mal c'est l'évangile qui pou faire moun pas tuer moun c'est l'évangile qui pou faire moun pas kidnapper moun c'est l'évangile parce que c'est l'évangile li pa gagne si l'évangile li pa faire ça non li pa faire. Donc, voici le dilemme. D'un côté, Dieu nous aime. Il ne désire pas de nous punir. Mais de l'autre côté, Dieu est juste et doit nous punir pour notre péché. Mais dilemme, non. D'un côté, bon Dieu remet, non. Et il n'a pas de désir pour punir, non. Parce qu'il remet, non. Mais de l'autre côté, il est juste. Il doit punir, non, pour péché, non. Comment Dieu a... Il doit punir, non, pour péché, non. Comment Dieu a-t-il résolu ce problème? Problème ça, comment mon Dieu t'a fait résoudre? Dieu a résolu ce problème de la façon la plus étonnante. De la façon la plus étonnante. En envoyant Jésus dans le monde. Lisez le problème dans qui Jean? L'envoyer Jésus vient dans le monde là. C'est Jésus qui veut résoudre le problème là. Qui c'est le quatrième point? Non? Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Il est 100% homme, 100% Dieu. Jésus-Christ nous dit c'est Dieu incarné. Bon Dieu prend forme, bon Dieu entre dans votre mari, il tourne, il tabernacle, il fait tourner monde. Il vient sauver l'humanité. Donc Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Donc on est la Bible affirme Jésus est 100% homme. Affirme Jésus est 100% homme. 100% Dieu. Nous capables de ça en pile côté, li dou Jésus-Christ te grand goût. La parler de l'humanité de Jésus-Christ. Côté du Christ est fatigué pendant l'absolute non vu par l'autre côté, fatigué, ça c'est l'humanité de Jésus-Christ. Dans 1 Jean 1 et il dit que dans Jean 1 verset 1, il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole ici c'est Jésus-Christ. Au commencement était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était avec Dieu. Dieu ici, c'est Dieu le Père. Jésus-Christ était avec Papa. Et Jésus-Christ, c'est Dieu. Jean utilisait image, parole là, qui c'est Dieu. Dans verset 14 là, il continue de dire, et la parole. Donc, Dieu a été fait chair. La parole a été faite chair. Ça veut dire, bon Dieu fait tout le monde.
Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, venue du Père. Voyez-vous? Est-ce que nous voyons? Dieu est devenu homme dans la personne de Jésus-Christ. Bon Dieu, papa, nous dit, ouais, il savait. Dieu est devenu homme. Bon Dieu, tout le monde dans la personne de Jésus-Christ. En revêtant une forme, humaine, il prend forme de monde, étant un personnage unique. 100% Dieu et 100% homme. Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. C'est précisément ce que le prophète Ésaïe a prédit. 800 ans avant la venue de Jésus-Christ, dans Ésaïe 9, verset 6, Ésaïe dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ouais, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, ici, ça c'est l'humanité de Jésus. Un fils nous est donné, ça c'est la divinité de Jésus-Christ. Et la domine, après l'admirable, conseiller, Dieu puissant, mais comment il a pris l'île admirable, conseiller, Dieu puissant. Ésaïe avait annoncé que le Messie à venir serait un enfant, qu'on l'appellera Dieu. Il n'y a aucune équivoque. Dieu est devenu homme. Dieu tout le monde. Vous vous souvenez de Thomas. Thomas était un apôtre incrédule. Il n'est pas le croire. Il dit, vous rappelez-vous ce qu'il a dit lorsqu'il a placé son doigt dans les plaies de Jésus après sa résurrection. Dans Jean 20, verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Ouais, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus était donc Dieu incarné. Pas garçon, tu dis là. C'est ça qui fait tant de religions qui a dit Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. S'il n'est pas Dieu qui s'allie, il est Dieu incarné. Il était donc sans péché. Puisque Dieu est sans péché, ceci est un point très important. Puisque Dieu est sans péché, ceci est un point très important. Il faut maintenant se poser la question, pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Pourquoi? Béni soit l'Éternel mon rocher. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Pour qui ça? Jésus est venu sur terre, pour qui ça? Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Pour qui ça Jésus est venu sur terre? Béni soit l'Éternel mon rocher. Vive le sang de Jésus. Et c'est ça. Nous allons pour nous répondre dans la prochaine étude. Là. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Pour qui ça est venu sur terre? Pour qui ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Nous magnifions. Nous exaltons. Nous louons. Nous bénissons Seigneur pour amour, pour grâce, pour compassion. Il était manifesté envers nous. Jusqu'à présent, nous vivons comme nous n'a pas respiré, pas mérité ça. D'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Omega, le commencement et la fin, nous bénissons Seigneur, nous glorifions, nous magnifions. Parce que tu déposes onction sous nos Seigneurs, déposes pouvoir, puissance sous nos Seigneurs, ou demandons capacité pour présenter étude parole au Seigneur. Je vous dis encore, nos bonnes gloires, nous adorons, nous glorifions, nous magnifions pour amour, tu es manifesté envers nous, Seigneur. Merci pour grâce, merci pour amour, merci pour compassion, ou tu es manifesté envers serviteur. Je vous dis à Seigneur, étude nous terminée. Nous demandons, papa, ou va éliminer l'esprit chacun de monde. Il va y avoir chance pour suivre étude ça. Monde qui va y avoir possibilité pour suivre ça, permettre de partager étude ça au Seigneur, pour plus de monde capable d'entendre parole. Parce que nous avons étudié avec. Nous sommes capables de dire avec peu pour aujourd'hui. Les deux questions les plus importantes de la vie. Nous sommes avec yo aujourd'hui. Et première question, nous sommes ensemble avec yo aujourd'hui. Qui c'était si au coup de vie, est-ce que vous n'avez pas jamais arrivé dans le coup de vie spirituelle? Vous pouvez poser une question ça. Si nous sommes aujourd'hui, est-ce que ça c'était la première question? Deuxième question, notez ouais avec yo. Notez ouais ensemble avec yo. Deuxième question ça, qui c'est, supposons que vous mouriez aujourd'hui et que vous arriviez devant Dieu qui vous demande, pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel? Que vous répondriez-vous? Si nous t'amour aujourd'hui et que nous arrivé devant mon Dieu, t'as demandé, pour qui ça me t'a de quitter nous entrer dans le ciel là? Ça ne t'a pas répondu. Notez commencer, examiner avec les cinq bagailles capitales par rapport à la vie éternelle. Notre premier bagaille, c'est la grâce. Nous te dit, nous sauvés par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Nous te voyons ça avec vous. Nous te voyons ensemble avec vous. Nous sauvés par la grâce de Dieu. La grâce, nous dit, c'est une faveur imméritée.
yon fave non mérité, non pas mérité ça. Nous se fait pas la grâce, pas grand yon fait pour ça, mais c'est grâce Seigneur fait non. Nous te ensemble avec aujourd'hui, la Bible dit nous que le ciel ne peut pas être gagné, ni mérité. Pas grand yon qui a fait pour ça. Nous te prenons exemple, yon montre. Nous te ensemble avec où? L'homme est à l'homme. L'homme qui s'est pécheur, l'homme condamné. Et pour nous te montrer, l'homme pas capable de sauver tête li. Je dis à titre non terminé, c'est pour non Seigneur glorifié, c'est pour non Seigneur exalté, non béni non Seigneur, non magnifié parce que tu es servi avec nous. Parce que tu es utilisé non Seigneur pour nous partager parole. Tant pis Seigneur, continue illuminer l'esprit non. Continue ba non parole pour nous continuer partager ba peuple. Non compte sur vous Seigneur, non pas pour parce que non bon. Non prions dans le nom de Jésus ton fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Al partager étudio. Tant pis s'il vous plaît, partager étudio. Lorsque vous écoutez étude là, partagez-le pour permettre yon moun qui peut qu'on fait la paix avec Christ, accepter Christ comme sauveur personnel. Pour mettre yon moun qui converti déjà, qui a mal marché dans l'évangile, pour le capramel, qui est bon découvrir. Amen.